Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette soirée Overwatch League. Je suis Adibou, je serai accompagné pour ce premier match que vous attendez tant, je pense, Paris contre Florida Mayhem. Je le disais, accompagné par Monsieur Hammerkey qui nous fait le plaisir d'être présent. Hammer, comment ça va, mon bro? Écoute, ça va, nickel. Je suis ultra hypé. Première fois que je vais caster Paris en Overwatch League, donc que demander de plus, hein. Un grand moment, je suis sûr que tu vas leur porter bonheur, même si avant que l'on commence cette soirée, tu me disais voilà deux trois choses par rapport au passé Paris Eternal Florida Mayhem, par rapport aussi aux compositions, puisque le Hero Pool amène le ban de Reinhardt, de Macri, de Fatal et de Brigitte, qu'il y allait avoir des changements et que sur certains points, eh bien Florida Mayhem et Paris Eternal allaient clairement se tirer la bourre. Exactement. Déjà, il y a un changement de main tank des deux côtés. Du coup, Ben Best sera sur le banc cette semaine au profit de Nosmite, qu'on avait vu semaine 5 dans l'optique de la dive en tant que Winston. Mais c'est également une excellente Orisa. Fate va également être aligné côté Florida Mayhem et c'est le même profil que Nosmite. Donc, on va avoir ici un duel ultra intéressant. Également, tu l'as dit, qui dit ban, dit nouvelles compos. Mais nouvelles compos, pas vraiment, puisqu'on retrouve en fait les compos des Playoffs 2019 avec Orisa Sigma, Doomfist Faucheur et d'autres variantes en DPS. Certaines équipes font de la dive ou même de la hache comme hier avec Valiant. Bref, il y a du Doomfist en tout cas. Et d'un côté, on a Nico, de l'autre, Yaki. Et ça peut être un beau spectacle. Ouais, effectivement, on a regardé les statistiques et Nico arrive à être sur le podium avec son Doomfist. Il n'est peut-être pas sorti tout le temps, mais quand il est là, eh bien, il assure le français. Mais tu l'as dit, hein, Yaki, on en a beaucoup parlé. Ça change de Saya Player finalement, puisque lui, on l'avait encensé avec sa Fatale. Mais il faut dire que sur la régularité, sur le côté flex, Yaki impressionne bien plus du côté des Florida Mayhem. Et il y avait une composition qui, pour toi, en fait, allait être déterminante du côté des Florida Mayhem et de Paris Eternal, c'est-à-dire que si on joue de la poke, il y aura un véritable match qui va se lancer, alors que si on joue brawl ou si on joue dive, il pourrait y avoir peut-être hein, un avantage du côté des Paris Eternal. Ouais, exact, en fait, sur ce match-up, en fait, miroir en Orisa Sigma, on est un peu à armes égales finalement, parce qu'on a déjà vu le Sigma de Gargoyle, l'off tank des Florida Mayhem, qui est très très bon. Après, vous me direz, son opposant c'est Albin. Et Albin, c'était le meilleur Sigma des Contenders. Au Gauntlet en Sigma, il n'y avait aucune contestation possible. C'était un monstre. Donc, on risque de le revoir aujourd'hui. Donc, également, entre Nosmite et Fade, je l'ai dit, il y a un duel intéressant. Mais après, est-ce qu'on va jouer de la poke? Est-ce qu'on va jouer de la Orisa Sigma? C'est la question. C'est un match qui est intéressant dans le sens que chacune des deux équipes peut s'éloigner un petit peu de cette composition. Et ça pourrait être déterminant pour la suite. Ouais, effectivement, hier, on a vu beaucoup de Doomfist Faucheur, dont on avait parlé, mais il y a eu quelques pointes d'originalité avec cette fameuse hache aussi, tu l'avais mentionné, du côté des Valiant, qui a été succulente, hein, accompagnée évidemment d'une ange pour l'effet one-shot, et puis parfois même d'un Torbjorn qui a fait rager certaines équipes à Hammerkey. Ouais, c'est vrai que le Torbjorn est encore présent, hein, qui dit double shield, dit poke, et Torbjorn en poke c'est très très fort pour taper des shields et deny de l'espace avec et la tourelle et le cœur du magma qui est un ulti surpuissant en termes de création d'espace. On l'a vu hier avec Mirror qui le jouait côté Gladiators, on a vu Paris jouer la composition avec Soon qui jouait le Torbjorn, c'est un peu une nouveauté pour Soon. Est-ce qu'il est 100% confortable dessus? Je ne sais pas, en tout cas il était plus confortable que sur son faucheur, en tout cas ça c'est sûr. Hein. En plus on est sur une méta où il y a un peu plus de faucheur, mais détail important justement, c'est là où peut y avoir une variante. Je rappelle que côté coaching staff chez Paris, il y a du Element Mystic et du Rush qui adoraient jouer de la Sombra à l'époque. Et Soul peut jouer Sombra, par exemple. Et oui, c'est vrai que c'est important de rappeler finalement les détails que peut apporter ce Hero Pool. On a parlé du Torbjorn, on a parlé de la Sombra, on pourrait également voir de la Tresseur puisque hier, hein, face à un Torbjorn, il y a des Tresseurs qui n'ont pas peur d'aller au contact malgré l'absence du surplus d'armure que pouvait d'ailleurs donner une Brigitte. par exemple, DK qui a été phénoménal. Hein. On le verra en fin de soirée d'ailleurs, DK. Tout à fait, Dallas contre San Francisco Shock qui sera le dernier match de la soirée, mais le deuxième, ça sera Toronto, voilà, qui est présent. Toronto-Boston, la revanche. Ouais, ça aussi, voilà. Ça va être un sacré match avec Coach Fefe qui est parti. Et on attend du coup de savoir ce qu'il compte faire, ce qu'il veut faire dans, à court terme en tout cas, on va pas parler moyen terme, mais au moins court terme ce qu'il veut faire. Et c'est surtout Lilbo qui prend sa place en head coach et Albless qui est là pour le supporter en assistant coach. Mais ça, Hammerkey, ça sera le prochain match. On va continuer de parler des Paris Eternal
Ils vont affronter une belle équipe des Florida Miami, pas forcément favorite sur le papier, pas forcément tonitruante, pas forcément en grosse perf, mais une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, hein, très clairement. Ouais, absolument, c'est pas une équipe à sous-estimer Florida Miami, même si effectivement ils sont un peu en pente descendante, hein, malheureusement, hein, il faut le dire. C'est pas une équipe qui a eu les meilleurs résultats récemment. Ils se sont pris un 3-0 très violent contre Atlanta Reign précédemment. Il y a eu ce match un peu crève-cœur côté Florida quand ils ont affronté London Spitfire au home stand de Houston. Ils ont perdu 3-2 sur un match très très serré. Et puis après, Florida, c'est pas une équipe qui aime beaucoup les cartes de contrôle, hein. Seulement 28% de win rate face à des paris qui, eux, les cartes de contrôle, ils les maîtrisent plutôt bien. On est sur du 70% de win rate, hein, ce qui est assez énorme pour un style de carte. Après, en fait, ça pourrait partir sur un 3-1 parce que en assaut, 66% de win rate pour Florida et 26% pour Paris. Mais bon, ça, ce sont des chiffres et il n'y a que le jeu qui parle après, hein. C'est vrai que, y a des points forts, on va dire un peu plus nombreux pour Paris Eternal, et surtout, tu l'as cité, hein, les cartes de contrôle, puisque vous le savez, les cartes de contrôle, là, c'est là pour la victoire, hein, lorsqu'il faut départager ses équipes et qu'on ne veut plus d'égalité possible, comme c'est le cas en hybride ou en assaut, et bien c'est la carte de Yep. contrôle qui est toujours déterminante, c'est toujours elle qui va finaliser le 3-2, donc c'est rassurant pour Paris. Toutefois, la carte d'assaut, tu l'as annoncé, hein, c'est pas du tout, mais alors pas du tout. Le style de jeu des Paris Eternals qui n'arrive pas, qui struggle, qui n'arrive pas, voilà, à performer sur ce type de map. Mais si Paris gagne 3-1, moi j'ai envie de te dire, Hammerkick, ça me va. Je signe aussi, on n'est pas obligé d'être là pour un Oui. 3-0. Pour les fans de Paris, ça va effectivement. Après, sur le papier, tu vois, au vu de la forme de Florida Mayhem, ça devrait être un 3-0. Moi, personnellement, 3-0, c'est ma prédiction. Effectivement, justement, c'est pour ça Ok. qu'on parlait des compositions tout à l'heure, où si Florida a prévu quelque chose ou a réussi à solidifier une poke en Orisa Sigma, ça pourrait surprendre Paris, hein. On ne sait jamais. Surtout que si on a un BQB chaud avec des picks tels que Torbjörn, hein, on sait jamais, peut-être qu'il peut jouer Torb, on l'a pas encore vu, mais ce serait de son genre, hein, à BQB. Ça peut effectivement surprendre. En fait, il y a un effet de surprise qui pourrait être créé côté Florida, mais également côté Paris en termes de composition. Et tout l'intérêt du match, il se repose ici. Hein. Ouais, d'ailleurs, je suis en train de me poser la question. Alors, on aura évidemment la réponse très vite puisque le match va démarrer dans quelques instants. Mais je me posais la question, Hammer, vu que la composition des Valiant a été très enquiquinante, mais vraiment, Ah genre. Les Gladiators, ils ont eu énormément de mal. C'est passé à deux doigts, hein, clairement, pour les Valiant. Est-ce que tu oui. penses que les Florida Mayhem ont la capacité de copier cette méta, on va dire, ou ce nouveau style de jeu qui a tant brillé du côté des Valiant, ou c'est pas la peine, il n'y a pas le temps de scout, il n'y a pas le temps de se préparer, etc. Juste dans la nébuleuse, hein, évidemment. Mais est-ce que tu penses que c'est une équipe qui a le potentiel pour copier rapidement quelque chose de nouveau et qui a été finalement très très fort. En moins de 24 heures, ça m'étonnerait, donc en plus Saya Player n'est pas aligné. Et moi j'aurais plutôt mis Saya Player si j'en ai H, tu vois. Ok. Donc bon, et si tu alignes Fate, tu veux pas le faire jouer ball. Fate est très bon en Winston et Orisa, sa ball on ne l'a quasiment pas vu. Et j'ai pas souvenir d'avoir été convaincu par sa ball non plus, hein, donc bon. Ça, on verra. La H, c'est une compo qui, a priori, aurait été reprise par d'autres équipes selon Goomba, hein, assistant coach de Valiant, Tout à il l'a fait. dit sur Twitter. Donc, ça pourrait être une de ces deux équipes. Après, au vu des joueurs alignés, j'ai pas l'impression que ce sera ça. Moi, je m'attends plutôt à voir de la H sur le dernier match Dallas contre SF, avec notamment la H de DK. DK peut tout jouer, il peut jouer H aussi, hein, pas de souci. Hein. C'est surtout qu'en fait, tu joues la compo parce que tu as une grosse H. Hier, c'était KSP. Ça pourrait être DK après. Ah, ça me ferait bien rêver les Dallas Hue. C'est fun à D'ailleurs, moi charger, qui hein. me. Ouais, Ouais, mais à il regarder me plaît surtout. ces Dallas Hue, là, en vrai. Hein. Je trouve que Ça monte, par hein. rapport à. Ouais, ça petit à petit, ça prend de l'ampleur. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et c'est un vrai kiff, finalement, de regarder Dallas qui aura fort à faire en dernière rencontre face au San Francisco Shock. Et là, on voit le roster. Mais tu nous avais déjà un peu spoil la fin du film, hein, Hammer. Désolé, pas ma faute, je savais Hein. pas. La prochaine fois, je mettrai des balises spoiler. Bref, on a évidemment Fate et Gargoyle. On n'a pas encore parlé trop de la backlane, Gang Namjin et Chris. Donc Namjin, du coup, évidemment, le flex support ancien Runaway, qui m'a pas mal impressionné pour l'instant. Même si j'ai l'impression qu'au niveau de la ligue, il s'est pas encore 100% adapté, du moins sur la scène. Là, c'est plus la scène, donc c'est complètement différent, certes. Mais il avait encore un petit peu de mal
à se fier un petit peu à la ligue. La synergie avec Chris, c'est pas encore 100% ça. Il y a beaucoup de fois où Chris et où Namjin meurent un petit peu de leur côté. Ça manque peut-être justement de synergie. Et on voit le roster des Pirates: Eternal, Soon, Nico, Nosmine, Hanbin, Gray et FD God. On a bien encore une fois un maximum de français, mais tu nous l'avais dit, évidemment, comme il y a un ban de Reinhardt, et ça, c'est quasiment un tweet assuré de la part de Ben Best. Hein, quand Reinhardt n'est pas là, il aime dire: bon, les gars, moi, cette semaine, je suis sur le banc et je vais laisser ma place aux potes. Ouais, c'est plutôt ça, hein, effectivement. Donc, ouais. Pareil, si on peut parler un peu de backlane, vu qu'on n'a pas encore fait, on va retrouver cette backlane Gray, FD God. C'est une méta avec la poke où les Lucios sont importants pour ce qui est d'apporter justement le speed boost. Et de temps en temps, tu peux trouver des boops, hein. C'est pas très mobile, hein, Orisa Sigma. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et, Moira, Lucio devrait être le duo backlane préféré de la part des deux équipes. Si on joue Orisa Sigma, après, si on voit de l'âge qui m'étonnerait, la Ange prendrait sa place. On pourrait également voir un petit peu de Ana si on part sur une dive avec un Winston. Mais là, Murkick, on est du côté d'Oasis. On va se faire plaisir. On voit déjà du Doomfist et ça va se la donner du côté du centre-ville. Ouais, les Symmetra qui seront là pour apporter ce téléporteur pour aller plus vite. Hein. Et là, plan de jeu simple de chaque côté. Tu joues une composition poke Orisa Sigma, tu vas devoir prendre les hauteurs le plus rapidement possible. Derrière ça, comment ça fonctionne? T'as le Doomfist qui va mettre ses cooldowns dans le tas, donc un point d'enfer sur les tanks, un uppercut, et ensuite il met son E pour reculer. La clé, ça va être ça. Mais là, je parle, il y a une petite variante côté Florida. On va préférer la Mei plutôt que le Doomfist. Ah, c'est marrant. On avait vu aussi un peu de Mei hier, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est le gros go-in de Nico qui vient balayer tout le monde. Et c'est FD God qui récupérera le premier kill à mort. Ouais, l'engagé parfait de la part de Nico. Le follow-up de FD God, nickel chrome. Et là, côté Florida Mayhem, je parlais justement de l'option de la Mei. Et le problème que ça a, c'est que avec la Mei, tu dois obligatoirement tanker des agressions. Mais si Yaki n'est pas réactif avec des murs ou des gels, eh bien, ça va forcément mal se passer. C'est la cap pour Paris. C'était impeccable, hein. Je crois qu'il a dû soulever avec son uppercut 4 ou 5 joueurs, honnêtement, des Florida Mayhem. C'était impeccable, et tu l'as dit, hein, si on n'arrive pas à contrôler ce Doomfist, il arrive à faire ses va et vient comme il l'entend, en plus sur des hauteurs comme ceci. Déjà à la retombée, t'es pas loin de te prendre un 100-125 de dégâts, plus l'uppercut aux alentours des 50, bref, ça peut quasiment déjà te one-shot un des joueurs des Mayhem. Oh, le mur de Yaki, il est pas mal du tout. L'engage se fait à la collaissance de chaque côté. Là, c'est Hanbin qui est mis en difficulté. Est-ce qu'on peut terminer Sigma? Ce serait une bonne opération. Derrière, c'est Gargoyle qui met un superbe flux sur 3 personnes. Directement, on se débarrasse du Sigma parisien. Et ce flux de Gargoyle, on avait parlé du Sigma de Gargoyle qui peut être monstrueux sur ce match. Mais attention, c'est pas terminé. Paris réengage avec un mur du son. Ouais, on lâche rien. On se la joue Gladiators du côté des Paris Eternal. Nico essaie de trouver le kill qui va toucher les 4 joueurs avec son onde, et on réengage du côté des Florida Mayhem avec l'ulti de Chris, le flux gravitationnel qui malheureusement ne fera rien, et on va reprendre le point après 50% de temporisation du joueur portugais. Mais c'est une question de seconde, Hammer. Ouais, question de seconde, et c'est la reprise pour Mayhem effectivement. Mais comme tu l'as dit, très très bonne temporisation de la part des Paris Eternal. Greg qui a réussi à faire une deuxième coalescence dans le tas, et Nico, c'est un peu la force de Nico, c'est que c'est un joueur très intelligent qui va toujours utiliser ses cooldowns d'une bonne manière. Le combo avec le Death Blossom et cette ulti Sigma, malheureusement ça ne fera rien. Il avait une collection pour contrer ça et c'est un 2 pour 0 en faveur de Florida. Ouais, en plus BQB avait la chance d'avoir un surchargeur à ses côtés. Donc autant te dire que là on est sur plus de 200 dégâts par seconde. La toupie, la Beyblade, hein, qui vraiment est meurtrière du côté des Florida Mayhem. Et on est très agressif, on ne se laisse pas avoir. J'aime beaucoup le côté, tu sais, Florida Mayhem, qui n'attend pas pour faire mal. On n'est pas en action-réaction, les deux équipes sont en action-action. Ouais, bah, c'est un peu le but des compositions également. Quand tu joues avec un Doomfist, tu veux prendre l'initiative et être aggro. Après, là, côté Paris, on manque de ressources, on a mis une coalescence et un ulti Reaper dans un fight qui était perdu, hein, ce qui est un petit peu un problème. Et tu vois que justement, bah, côté Paris, on attend tranquillement. On va se prendre une halte, par contre, énorme pot que sur la Orisa de Nosmite. Et là, c'est un peu la force entre Fate et Gargoyle, c'est qu'il y a une grosse synergie avec ses tanks. Soon, qui met de la pression derrière. Mais c'est, voilà, ça y est, on arrive à contrôler Nico et ça, c'est grave pour Paris. Ah, on perd un élément perturbateur assez important. Gargoyle qui régale, hein, qui a un Sigma plutôt qui fait partie du top
de la ligue. On va s'enfuir normalement tranquillement. Gargoyle qui va récupérer un bouclier. Et on, quand même, on lâche les pauvres du côté de Grey. La coalescence qui est lancée, tandis que Gogvandim n'est qu'à 33%. Oh, oh, la hâte, elle est magnifique de la part de Fake. Tout le monde revenu dans le blizzard. Et Bixubi en follow-up avec un excellent Dave Blossom à Dibou. Ça, c'est le teamplay qu'on attendait côté Florida Mayhem. La halte dans le blizzard. Et Bixubi avec l'éclosion mortelle. C'est nickel, Chrome, à Dibou. Ah, c'est tellement nickel qu'on n'est pas loin d'un play of the game, je pense, la Murkick indirectement. Pas ça toucher. A été tellement bien synergisé. Non. Et les Paris Eternals qui vont se prendre un 158%. Ça démarre très fort. On va pas dire contre toute attente, puisqu'on disait, hein, juste avant que le match commence, qu'il fallait respecter ces Florida Mayhem. Mais je t'avoue que là, je me demande pas si on est légèrement surpris du côté des coqs français. Peut-être surpris par la solidité de la frontline de Florida aussi. Fake et Gargoyle qui ont mis d'excellents combos entre le combo Alt-Aggression qui est si puissant face à une Orisa Sigma adverse qu'on n'a pas réussi à mettre beaucoup en place côté Paris. Et je parlais justement du fait que Nico devait être contrôlé côté Florida. Et bah c'est ce qui s'est passé. Yaki, son focus principal, ça a été le Doomfist de Nico. Et ça a marché avec brio, des murs bien placés, des gels bien timés. Et derrière ça, des combos Alt Blizzard aux petits oignons. Et on va repartir sur la même compo finalement, de part et d'autre. Hein. Faucheur Mei contre Faucheur Doomfist. Nico va devoir faire attention parce qu'effectivement, ça a bien marché les deux premiers engages. Et après, il n'y avait plus personne à Al qui va récupérer les 4 joueurs des Paris. Oh, le boop FD. Arrive à la rescousse. Le beau boop FD. Et c'est un Sigma partout. Et ouais, c'est bien ce boop de FD. Ça permet de rééquilibrer un petit peu la balance. Derrière ça, on tente d'engager côté Paris. Mais c'est plutôt Soul qui va se faire punir par Fate. On est coincé dans le coin. Et l'ordre de dégâts de Gangnamjin va... assez Paris Eternal et les pauvres Paris vont se faire reset là-dessus. Et ça sera un team kill différent en faveur des Florida Mayhem. Cette fois-ci, on se trouve sur les jardins. Pas de composition aérienne Pharah. Merci Pharah Ange. Hein, mais on est vraiment sur le mirror qui s'est passé sur le round précédent. Et tout de suite, eh bien, les Florida Mayhem n'attendent pas de perdre un team fight. Hein. On contrôle, on joue de la même façon, agressive. Il y a des très belles haltes. On temporise, on contrôle Nico. Et on doit trouver des solutions rapidement pour Paris. Une coalescence pour Grey, ça pourrait être une clé intéressante pour passer. Il y a un mur qui est tenté, mais il ne fera pas grand chose. Nico qui agresse directement, tu vois la coalescence de Gangnamjin qui empêche Nico de jouer son jeu. Derrière ça, on met un mur du son, mais on perd nos spades dès le départ. Et encore une fois, le blizzard de Yakti, il est parfait à Dibou. On va wipe une fois de plus les Parisiens. Ah, c'est dur. Oh que c'est dur. Oh, oh que là c'est là. Dur pour Paris. Et en plus, on est en train de mettre toutes les énergies négatives dans le sol, hein, du côté des Florida Mayhem. Hein, c'est les fameux génuflexions qui ne servent pas évidemment à taquiner son adversaire, Hammer, mais c'est bien entendu pour mettre toute l'énergie négative dans le sol et remonter la tête dans les nuages, les esprits plus éclaircis que jamais. Oh, Big Chubby a une bonne pause pour mettre une éclosion mortelle. Et là, côté Florida, on a un excellent avantage de team. Nico va mettre de la pression, directement récupérer Yaki, c'est un excellent pick de sa part. Derrière ça, BQB qui va mettre les causes mortelles et le boop de FD Gold sera parfaitement calé. Ça y est, côté Paris Eternal, on fait usage de ses ressources à bon escient. On contre plusieurs des plays des Florida Mayhem. Namjin a une connaissance pour reprendre ce fight potentiellement, mais est-ce que ce sera suffisant? Je n'ai pas l'impression. Si, on récupère Nico et le DPS. Oh, c'est dommage, le flux gravitationnel qui ne servira pas du côté d'Anbin qui se fait contrer. Il y avait la fortification d'Orisa et dans les airs, eh bien, on s'est fait contrôler. Et c'est le team kill impressionnant. Gangnamjin qui avait eu sa coalescence avant celle de Grey qui a été tellement clutch. On est tombé les uns après les autres, on n'a pas eu le temps de faire une belle halt. Paris smash du côté des Eternals. Et la Soon, il est dans de sales draps et il va tomber beaucoup trop vite. Eh ouais, on peut rien faire, on a un trop gros avantage côté Florida Mayhem. On ne pourra même pas toucher si FD Gold arrive juste à temps avec son Lucio, mais c'est beaucoup trop tard à Dibou. Florida Mayhem, agressif comme il faut, avec la Mei et le Doomfist, des ressources bien gérées. Et côté Paris Eternal, on n'est pas forcément bien rentré dans le match. Ce 1-0 d'ouverture du score côté Florida, il est mérité. Il est largement mérité, effectivement, Hammer Kick là-dessus. Alors c'est un peu violent finalement, mais c'est mérité. Il y a eu une composition un tout petit peu différente, hein, qui lâchait l'agressivité pour le contrôle et ça a été tellement bien exécuté. Yaki qui s'est adapté à la vitesse de la lumière et qui est venu climatiser Nico, qui pourtant, on le disait juste avant le début de cette rencontre, fait partie des meilleurs Doomfist, en tout cas sur le papier, de la compétition. Ah, c'est ce qui se passe quand tu le focalises à fond côté Florida Mayhem et c'est ce qui s'est passé. Hein. Excellent travail de Yaki sur la main qui pour moi est le MVP de la carte.
des murs excellents, des timings de gel parfaits sur Nico. Nico, en fait, à aucun moment n'a pu jouer son jeu correctement. Il était toujours contré à se demander si Doomfist va marcher contre cette variante Faucheur May que joue Florida. Et il la joue vraiment à la perfection là. Ouais, clairement, je te rejoins totalement, Murkick. Ça serait pas mal, du coup, du côté des Passes Eternals, de voir peut-être un tout petit changement au niveau de la composition. Ou alors, peut-être que c'était la carte de contrôle qui allait pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va passer en pause et on se retrouve tout de suite après. Eh bien, Murkick, ça démarre très bien, mais pas pour Paris Eternal, hein, pour les Florida Mayhem qui, là, ont exécuté une carte de contrôle quasi parfaite. On a perdu, quoi, les 50% sur la première carte et puis quasiment, bah, je crois qu'on était à 0% du côté de Paris sur la deuxième. Hein. Ouais. C'est propre, c'est pas surprenant, mais ce sont les Paris Eternal, en revanche, qui se sont fait surprendre. Ouais, bah Florida Mayhem sont en confort. Totalement en confort sur la méta double shield. Paris peut-être un peu moins, hein, côté Nosmite et Enbin, on n'arrivait pas à mettre les combos, notamment accrétion alt, flux alt, alors que côté Florida, ça y allait à tout va, hein. Même des combos alt bizarres qui étaient parfaitement exécutés. Côté Paris Eternal, il va falloir s'adapter à Dibou. Il va falloir effectivement s'adapter, hein, parce qu'on le disait juste avant de passer en pause, est-ce que c'est la carte de contrôle, vu qu'on est tous très regroupés, qu'il n'y a pas de convoi à protéger, etc. Bon, on va laisser planer le bénéfice du doute. Je dirais Joker, pourquoi pas revoir Faucheur Doomfist si on joue à nouveau Faucheur May en face. Mais si, dès la deuxième carte, c'est vraiment le même problème, effectivement, il va falloir s'adapter très vite, parce que le 3-0 pourrait poindre le bout de son nez beaucoup trop rapidement du côté des Paris Eternals, tandis que le map set apparaît et qu'on va se diriger du côté de Rialto. Yep, Rialto, pareil, ça va être de la double shield, mais ça va être assez différent puisqu'il y a beaucoup plus de hauteur à exploiter. Ça pourrait aider Paris potentiellement. La clé côté Paris Eternal, si on veut se remettre dans le bain, ça va être d'être plus agressif, de jouer le style de Paris habituel qui est agressif. Là, j'ai pas senti Paris dans le match en fait. J'ai pas senti Paris agressif avec ses ressources comme d'habitude. Donc, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une méthode à revoir côté Paris pour prendre les fights avec des alts? Ça, on va le voir tout de suite. Peut-être que le manque d'agressivité est dû à l'arrivée entre guillemets de nos smites. Peut-être que les calls sont moins, ou Peut-être. peut-être que aussi c'est le fait, tu sais, de jouer Orisa qui complique les choses, parce que Ben sur son reign est tellement sur un pic de confort que tout devient fluide, alors que nos smites, il y a peut-être un petit truc qui ne colle pas. En tout cas, Mayhem va prendre la défense et Paris
va attaquer en termes de composition. On est sûr, c'est Locke hein, du côté des Florida Mayhem qui sont en train de prendre évidemment en partie les hauteurs pour se parachuter directement. En revanche, du côté des Paris Eternal, ça peut encore changer. C'est ce qu'on est en train de voir d'ailleurs. Ah, je sais pas si Nico va garder la Pharah, quoique FD God a switch sur une ange. Intéressant. On va jouer une poke Pharah Mercy un petit peu à la Chengdu Hunters. Et c'est vrai que Nico, faut se rappeler qu'il a une Pharah dans son arsenal. Et contre la Faucheur May de Florida Mayhem, on n'a pas grand chose face à ce poke incessant. Et tu vois que déjà Florida Mayhem, ils doivent concéder à la hauteur. Ouais, clairement, le bombardement orbital de Nico risque d'être très embêtant. Et puis en plus de ça, on a un potentiel one shot et une destruction de bouclier avec Soon et son Hanzo. Par contre, Nico, en face, il se rend compte que la May de Yaki, elle touche. Hein. Il s'est pris 2-3 glaçons, obligé de faire attention et de jouer vraiment avec le décor, chose qu'il ne fait pas pour le moment, Hammer. Ouais, mais après, il n'a pas forcément le choix. Hein. Enfin, il fait au mieux, c'est sûr. Il n'y a pas forcément beaucoup de décor quand on joue une Pharah d'attaque. Florida Mayhem, peut-être qu'on savait à la hauteur. C'est Admin qui est pris à partie par les Florida Mayhem. Et pendant ce temps-là, dans la rotation, Soon trouve une tête. Nico lance un barrage de roquette. Ça attrape Yaki, mais c'est un 2 pour 1. Très intéressant pour Paris qui vont remporter un fight clé. C'est impeccable. C'est bien géré. Pas besoin d'utiliser sa résurrection du côté d'FD God. Surtout que Nico va changer pour prendre Doomfist. Et ça, c'est malin puisque les Florida Mayhem, vous voyez, avaient changé Tracer H. Et du coup, on a perdu toutes les charges d'ulti du côté des Florida Mayhem, alors que du côté des Paris Eternal, bah Nico, comme il a utilisé son barrage et qu'il switch à droite à gauche, bah finalement il ne perd rien. Ça, c'est un très très bon management, c'est un très très bon coaching de la part des Paris Eternal. Ouais, très clairement, sauf qu'il va avoir une frappe du dragon, et on va prendre la combo avec une halte très bientôt. Nico qui cherche une ouverture avec ce double piste qui vient de swap à l'instant, un BQB sur une hache d'ailleurs pour gérer une Pharah, mais a dit. Il n'y a plus de Pharah, la halte va passer, la connaissance de Gangnamji utilisée et Soon lance son dragon. C'est un très très bon dragon oh de Soon là, 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 là. Avec le nano boost parfait côté Paris. Ouais, puis Soon après qui se régale à la mano qui va mettre une tête sur Gangnamji. Et là on utilise la résurrection parce que on veut mettre la pression très vite très loin. Alors regardez, voilà Soon qui est venu prendre l'information. Il va moonwalk, est-ce qu'il va changer de héros du coup Soon? Je pense que oui. Pour le coup, ouais, il repart sur Faucheur. Et pour le coup, BQB aussi troque la hache pour son Faucheur. Mais c'est dommage parce que tu vois, sur le duel, quand Nico est venu attaquer, agresser la hache des Florida Mayhem, eh bien c'est la hache qui avait remporté son duel. Ouh, le boop avec. C'était magnifique. Gargoyle qui prend un double kill en boop avec l'aide de la halte. Et évidemment, ce boop il vient de Chris. C'est juste Gargoyle qui vole les kills là, Dibou. Hein. Exactement, ouais. Le boop n'est pas comme ça. La concrétion ne nous permet pas d'aller aussi loin, évidemment. Donc, effectivement, c'est un très très beau move de la part de Chris. Chris qui a vu juste Hammer. Ouais, c'est le genre de combo qu'on voit et qui sont bien exécutés côté Florida Mayhem. On prend de l'espace avec la halte et le boop gravitationnel va partir rattraper Gray dans la backline. Et Gargoyle est en train de tout détruire avec ce Sigma. On en a parlé avant le match. Gargoyle sur le Sigma, c'est un vrai danger. Ouais, clairement, Gargoyle sur Sigma, on sent que le type maîtrise hein, très clairement. Et du côté d'Anbin, eh bien là on a du mal à s'exprimer. Pourtant sachez qu'il est quand même à 4700 de SR hein, c'est quand même assez ouais. Fort. Et qu'il avait ses 3 comptes qui étaient 1, 2 et 3 au classement. Voilà, ses Smurfs sont tout simplement les meilleurs. Donc là, il faut donner un peu plus d'espace à Anbin. Parce que le pauvre n'arrive pas à carry tout seul. Hein. Oh le boop. Oh, mais encore une fois, Chris avec un excellent boop, mais c'est pas terminé pour autant. Nico est en train de détruire la backlane. Mais non, Chris arrive juste à temps pour le sauver. Almin va quand même réussir à sniper Chris. Mais la gestion de l'espace, elle est parfaite côté Florida Mayhem. Du moins, jusqu'à ce qu'on perde le Lucio. Là, Almin, tel un guerrier, va aller au front et prendre tout l'espace du monde, laissant ainsi le champ libre à Paris pour s'installer sur le convoi. Ouais, c'est pas mal, en plus il y avait la captation cinétique histoire de grappiller un peu de bouclier. Anbin qui a justement son ultimate qu'il n'a pas utilisé. Et on voit qu'on est sur les hauteurs des escaliers, c'est bien vu du côté des Florida Mayhem. Ça c'est pas mal, c'est une très très belle position qui permet en plus d'aller à droite, à gauche. Et la frappe metteur utilisée la dernière seconde pour Nico. Oh, le flux de Anbin en intérieur qui est pas mal du tout. Nico qui prend très très cher à la fin de la frappe météor, mais il va réussir à s'en sortir. Et pendant ce temps-là, tu vois, Florida ne conteste pas. Paris a pu beaucoup pousser le payload, mais bon, ça va être repris rapidement avec un blizzard de Yaki. Encore un excellent blizzard, toute la fronte à l'intérieur, plus la coalescence pour sécuriser le fight. N'empêche que côté Paris, oh, Gray, est-ce qu'on l'a vu, Gray? Oh, s'il backup, ce serait incroyable. On l'a pas vu, Gray. Il va backup, Gray, attends. Allez, allez, petit bolide. Allez, ça serait pas mal qu'il y ait un engagement. Oh oui, allez, est-ce qu'on a le temps de revenir? Non, il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps.
Est-ce qu'il y a un autre engage pour l'entraînement? Je n'ai pas l'impression que Greg a lancé sa volatilité. Mais non, la halte va le rattraper. Je pense qu'il a un peu trop attendu. Je pense qu'il y allait 2 secondes plus tôt. Il y a moyen de caper, mais c'est pas 100% sûr. Ah, tu vois, moi je t'aurais dit un tout petit peu plus tard. Je t'aurais dit, là, ah ouais, comme il n'y avait pas le teamfight, on pouvait avoir les yeux rivés si tu es sur le payload. Alors que si le teamfight faisait rage, je me demande si les Florida Mayhem n'auraient pas justement engagé hard, puisqu'on avait le flux gravitationnel, etc. Et pendant ce hard engage des Florida Mayhem pour garder le moment, eh bien Gray aurait pu battre cap. Enfin, c'est mon avis, je sais pas qui a tort, qui a raison, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est d'accord là-dessus à Murky qu'il y avait un problème de timing, quoi qu'il arrive. Ouais, apparemment, timing, cette technose mortelle, elle est parfaite de la part de Big Chubby avec ce super chargeur de Fate. La connaissance de Gray n'aidera pas à survivre côté Paris Eternal et Big Chubby. Il est vraiment sur un pic de confort avec ce Faucheur. Hein. Ouais, il fait mal, alors que Sue n'est pas forcément hyper à l'aise avec Faucheur. Là, c'est vrai qu'on sent la différence du côté des Florida Mayhem. Et alors qu'on avait fait une attaque intelligente avec une meilleure composition du côté de Paris, quand il s'agit de rejouer finalement ce qu'on a vu et qui n'a pas fonctionné sur la carte de contrôle Oasis, eh bien on struggle, on a du mal à avancer. Et on a vu d'ailleurs beaucoup d'équipes malheureusement s'arrêter là où le convoi s'est arrêté. Hein, cette maîtrise au niveau de l'escalier des Florida Mayhem, c'est pas la première fois qu'on voit que ça fonctionne très bien. Oh, et la hâte encore une fois de fête, elle est parfaite. Sun va lancer une explosion mortelle, mais va se faire geler. Il ne pourra faire aucun dégât. FD God a lancé un mur du son, mais c'est en désespoir de cause. On avait les ressources côté Florida Mayhem. On a mis la hâte sur 5 personnes avec le bizarre de Yaki. C'était presque gratuit à Dibou. Ah, Nico qui va essayer de toucher le point, qui attend les dernières secondes de son ultimate. Il va y avoir prolongation du côté des Paris Eternal. Mais c'est peine perdue, je pense, même si Soon fait un open kill très intéressant. Ce serait un miracle de revenir d'un côté Paris Eternal. Le flux va toucher Gargoyle dans la backlane. On va prendre un 1v1 Sigma dans le dos. Mais bon, voilà, Big Chubby, il va dire non. Il va réduire à néant les espoirs de revenir côté Paris Eternal avec une nouvelle éclosion mortelle. Le pauvre Anbin, là, il est seul face au reste du monde. Un seul point de capturé côté Paris. Mais on est quand même allé quasiment jusqu'à la fin du second. Il y a quand même un coup à jouer en défense. Il y a un coup à jouer en défense, effectivement, parce que lors d'une certaine World Cup, on a vu justement une équipe s'arrêter ici. Et en défense, eh bien, on a été encore plus fort et on a arrêté le convoi quelques centimètres avant cette marque. Donc si les Florida Mayhem l'ont fait, les Paris Eternal aussi, mais il va falloir s'adapter, il va falloir ajuster la composition parce que pour le moment, il est vrai que Doomfist Faucheur, ça ne fonctionne pas du côté des Eternals. Ouais, c'est pas forcément une histoire des DPS qui n'arrivent pas forcément à avoir de l'impact. C'est plus Florida Mayhem qui sont excellents à leur propre jeu de temporisation avec la front Fate et Gargoyle. Ils m'impressionnent là avec les combos Alt Accrétion, Alt Blizzard, Alt Flux Gravitationnel. Là, Fate et Gargoyle, ils font un match parfait pour l'instant, je trouve. Ouais, c'est vrai que là-dessus, je te rejoins, Murky, hein, c'est pas la faute de Sun ni de Nico. C'est plus les Florida Mayhem qui sont en parfait contrôle, qui sont dans leur zone et qui nous proposent un très beau spectacle. En plus, au niveau de la compo, eh bien, on a le contrôle de Yaki et de Samei qui viennent totalement perturber, mais pas que Nico. Hein. Ça vient perturber aussi Sun et son Faucheur qui ne sont pas libres là pour le moment, les DPS français, parce que eh bien, les Florida Mayhem arrivent tout simplement à lire dans le jeu de Paris et à contrer à chaque fois tout ce qui est envisageable. Anbin qui va partir sur Diba, et ça, en vrai, ça pouvait être aussi une solution intéressante puisque la captation cinétique, c'est hyper utile, effectivement. Mais la portée est faible, le cooldown est gros. Et quand il y a Blizzard et éclosion mortelle, une diva, c'est quand même beaucoup plus utile, je trouve, Hammer. Ouais, on va faire des swaps d'ailleurs côté Florida. Pareil, s'adapte. Pareil, change de composition et vont jouer une poke beaucoup plus puissante. Soul sur le Hanzo, Nico sur la Pharah. C'est des picks encore plus confortables pour ces deux joueurs. B2B va passer sur un soldat 76. Il y a une halte qui va partir sur FD God qui prend un énorme poke. Et ça va être le danger. Une halte avec un bon poke de B2B, ça pourrait déloger la Pharah Mercier. Ouh, attention à Nico qui prendra 2 ticks mais qui va survivre. Là, on le voit. Il y a du monde. Il y a du monde du côté du convoi de Rialto. On va passer le pont sans encombre. Sun qui est obligé de prendre les hauteurs et de faire attention puisqu'il y a un Yaki qui pourrait le traquer. La tresseur des Florida Mayhem, voilà, arrive à bon port. Mais heureusement, la Ana est là pour protéger le Hanzo français. Une belle tête qui forcera Yaki à recall. Et pendant ce temps-là, voilà le combo. On vient de le voir en action. Nico qui se fait halt. FD God qui va devoir ramener la Pharah à la vie. Mais t'as également perdu ta Orisson dans l'opération. Est-ce qu'on va pouvoir faire grand-chose de plus du côté des Paris Eternal? J'en ai pas l'impression. Encore une fois, la frontline fait la différence.
La frontline fait la diff et les DPS sont chauds du côté des Florida Mayhem. C'est impressionnant, hein, Yaki qui vient tout simplement embêter le Hanzo et la Ana à lui tout seul qui vient bloquer tout simplement deux joueurs, 2v1 et on a la supériorité numérique pour le reste de l'équipe. BQB qui a toujours des placements malins et qui arrive à survivre malgré le bon poke qu'il prend. Et on arrive là quasiment sur le point, il va falloir contester rapidement du côté de Paris. Allez Yaki, on met de la pression, on est forcé à recall. Et pendant ce temps là c'est Florida Mayhem qui engage avec un Nano Visor. Nico lance un barrage de roquette, mais la matrice de Gargoyle, le timing parfait. Est parfait et c'est un massacre. Triple kill avec la Nano Visière des Florida Mayhem et ils se mettent bien. Il y a un snowball à faire avec ses ultis, avec cette première capture de points éclair on va le dire. Ah c'était totalement ça Hammer, impressionnant, 4-32 en time bank. On est malin, on joue encore une fois comme hier, hein, des équipes qui jouent aux échecs sur Overwatch et qui vont prendre des héros pour contrer les héros en face. Et c'est impeccable, Yaki qui ne se fait pas surprendre avec sa tresseur et qui pourrait lâcher une très belle bombe à impulsion qui viendrait démoraliser par certains. Mais ça y est, il y avait encore un joueur qui était en embuscade. Et pendant ce temps-là, on va à l'intérieur avec la Valkyrie de FD God. Mais Albin, son mecha, il a vraiment pas fait long feu pour le coup. Chris a lancé un mur du son. Et côté Paris Eternal, cet engage, on va devoir l'avorter très très rapidement. On a les ressources côté Florida. On va trouver un axe sur Yaki, certes. Mais les kills sont roses à Dibo. Ouais, c'est effectivement ça. On est plutôt du côté de la Floride. On est bien, il fait chaud. On est à l'aise. Ah, et la halt. Couplé à l'éclosion mortelle qui viendra annihiler FD God Nico, malheureusement qui ne pourra pas faire son travail de sombre et l'autodestruction qui viendra éclater le shield de la Orisa. On est bien du côté des Florida Mayhem. Alors on est même très très bien, on a contrôlé du payload, on va coller la bombe sur Albis qui était revenu sur un bulldozer d'urgence. Yaki, presseur, c'est un sépite de confort et il est en train de nous faire savoir. Et à la mi-temps, le résultat est dur mais également très très joyeux pour les Florida Mayhem. 2-0 avec une composition et une méta qu'il maîtrise, ça fait une grosse différence. Ah mais c'est un résultat dur mais juste hein, pour les Florida Mayhem. Là, ah oui, on totalement. Peut pas, tout chauvin qu'on est, tout supporter des Paris Eternal que nous sommes, on ne peut pas fermer les yeux ou commenter différemment à part dire que bah, les Florida Mayhem sont en contrôle, sont en maîtrise, qu'on a du mal du côté de Paris. Mais c'est on a du mal parce que l'adversaire est bien plus que solide. Là, honnêtement, c'est tellement propre ce qu'il propose Hammer. Heureusement que je suis assis parce que sinon, je serais tombé des nues. Ah, clairement, il y a Yaki qui est sur des pistes de confort, qui fait très très mal en Doomfist, en Mei, en Tracer. L'affronte Fate, Gargoyle, on en a déjà parlé. Mais pour moi, l'affronte, c'est la MVP pour l'instant. C'est les MVP, pardon, pour l'instant. Mm. Fate avec d'excellentes halt. Gargoyle sur le Sigma a été nickel. Et puis sur sa Diva également. Très très bon, cette utilisation de la matrice défensive pour absorber tout le barrage roquette de Nico alors qu'il voulait burst B2B pendant le Nano Visor. Parfait. Gargoyle pour moi c'est un excellent off-tank, même sous-estimé. Hein. Ouais, là pour le coup c'est vrai qu'il marque de nombreux points Gargoyle et ça fait plaisir aussi de revoir Fate qu'on connaît évidemment monstrueux sur Winston. Mais là, voilà, le fait de jouer Orisa, on a vu que la communication était au poil du côté des Florida Mayhem. Et d'ailleurs, Amurki, je vais te laisser prendre le relais sur le plateau d'analyse. Nous, on part en pause et on se dit à tout de suite. À tout de suite. We'll be right back.
Et on est parti du coup pour le plateau d'analyse de ce Florida Mayhem contre Paris Eternal qui pour l'instant, on va le dire, ne part que dans un sens. Les Florida Mayhem mènent la danse 2 à 0. Ita, Shade, vous me rejoignez du coup pour le plateau d'analyse. Et Ita, bonsoir. Il faut clairement le dire, bonsoir, bonsoir. Ita, faut le dire, Florida Mayhem, c'est leur méta de confort. Ouais, ouais, ça s'est bien vu, hein. On était extrêmement à l'aise sur les deux cartes, hein, que ce soit autant Oasis que Rialto. On a de belles rotations de leur part, hein. On a aussi de bonnes individualités, on pense à BQB qui arrive bien à comboter avec les Halles de Saorissa, on a de bonnes réactions aussi de la part de Yaki et Samei, ou alors de Sadoomfist, hein, ça dépend ce qu'ils jouent, mais très solide, honnêtement rien à dire. Il y a un teamplay qui est au point ce soir pour les Florida Mayhem. On voit Space, hein, incroyable, carrément au niveau du spawn des Paris Eternal. Écoute, moi j'ai vu voilà dans les stats que voilà Oasis c'est un petit peu la maison des Florida Mayhem. Ils ont un fort taux de win rate sur les fights, en tout cas sur la carte. Et écoute, rien à dire. Hein. Puis après quand on voit Rialto, bah je vais laisser Shade en parler. Mais Rialto, pareil, hein, ça a été difficile parce que les héros qui sont ciblés par Paris Eternal ne sont malheureusement pas disponibles ce soir. Ouais, on a vu des Florida Mayhem en contrôle, clairement, en contrôle d'un bout à l'autre, que ça soit sur la map de contrôle, justement, ou sur la map d'escorte, avec une très très bonne, enfin une très belle intelligence de pick, notamment pour venir contrer tous les plans de jeu de Paris Eternal. Quand il faut jouer, j'allais dire défensif et conservateur, on le fait avec une compo très tanky, avec une compo très résiliente, avec du faucheur, de la Mei, qui va venir shutdown complètement les plans d'un Doomfist éventuellement, avec un gargoyle par-dessus tout qui fait un travail monstrueux avec son Sigma quand il peut le jouer. On voit ici les stats de Yaki avec sa Mei qui a été juste monstrueux, énormément d'éliminations. Les blizzards sont à chaque fois parfaits, à la fois pour bloquer les angles d'attaque et en même temps pour faire énormément d'éliminations. Et puis quand il s'agit d'être agressif pour venir contrer des positions qui sont prises par Paris Eternal, bah on envoie une Tracer quand il faut. On ose faire les pics décisifs du côté de Florida Mayhem, et ça marche. Ça marche parfaitement. Ouais. Florida prend l'initiative. C'est pas forcément le cas des Paris Eternal, hein, qui de leur côté ont dû changer de composition à plusieurs reprises. On a tenté cette Hanzo Pharah. Ita, c'est quoi la solution à partir de maintenant? Florida sont trop forts sur la compo. Est-ce qu'on continue à forcer la Orisa Sigma, ou est-ce qu'on tente des choses un petit peu exotiques et mettre peut-être Soon et Nico sur des pics où ils sont plus confortables? Écoute, c'est difficile à dire parce que, encore une fois, Nosmite, je le vois pas trop. Enfin, je vois pas ce qu'il peut donner sur d'autres compositions, type Winston par exemple, ou un peu plus d'Ivy.
C'est vrai qu'on a, on a Tracer, hein, comme l'a dit Shade, donc pourquoi pas envoyer Soon sur un pick un peu plus, voilà, où il est plus à l'aise, et Nico, pareil, hein, il peut aussi avoir d'autres héros. On sait que Nico, c'est un monstre, hein, en termes de flexibilité, donc il peut largement peut-être tenter d'autres choses, ou alors peut-être s'inspirer de ce qui s'est fait avant. On pense aux compositions un petit peu plus défensives avec du Torbjörn, ce genre de choses, qui n'ont pas été tentées malheureusement. Puis c'est vrai que ne pas avoir McCree pour contrôler ce Faucheur, ne pas avoir de Reinhardt aussi pour avoir une frontline qui est plus solide et plus aggro quand il le souhaite avec Ben Best, c'est plus compliqué. Donc à ce moment-là, autant si on voit qu'on perd sur la Orisa Sigma, essayons de tenter quelque chose de un poil agressif. Alors peut-être pas de la Winston Diva, mais un peu comme ce qu'a fait justement les Frères Damien, je vais y arriver, avec de la Diva était aussi là, un peu plus agressif pour sur Rialto notamment, pour aller aussi annihiler les dégâts qui avaient été envoyés de la part des joueurs de Paris Saint-Lol. Donc moi personnellement, j'aimerais bien quoi, là, en plus il y a de la Ana dispo, donc pourquoi pas jouer de la Ana avec de la composition un peu plus dive. Je dirais allez, laissons-nous tenter par de la dive. Mais je sais pas si Nosmite et Anbin seront forcément à l'aise avec ça. Je sais qu'Anbin, son Sigma, on le connaît, il est extrêmement extrêmement solide, mais pourquoi pas. Écoute, là on se fait mener 2-0, c'est la balle de match, autant tenter des choses, sinon on va vraiment se faire manger au fur et à mesure, et je pense pas que c'est ce qu'ils veulent. Après reste à savoir ce que va décider le coaching staff. C'est ça, le coaching staff va avoir un impact important cette mi-temps, de déterminer quelle est la suite, quel est le plan à suivre justement. On a parlé de cette potentielle dive, on l'a clairement dit, hein. Le match-up miroir, Orisa Sigma, c'est mort. Florida Mayhem sont complètement en maîtrise. Shade, pour toi, Paris, ils peuvent remonter, est-ce que tu fais confiance à ce coaching staff? Est-ce que justement, côté Paris, on a les armes pour justement s'adapter? Bah écoute, je sais pas, quand j'entends parler de changement radical de composition, etc., oui, forcément, on a envie de se diriger vers ça, parce que ça paraît complètement verrouillé, donc il faut forcément réagir d'une manière ou d'une autre, et le changement de composition a l'air le plus évident, dans le sens où bah, ça va forcément peut-être apporter de la confiance si les picks sont plus confortables pour certains joueurs. Mais le problème, c'est que voilà, ça a été travaillé d'une manière, à l'entraînement, ça a été travaillé d'une manière pour venir jouer contre cette équipe spécifiquement. Et je suis pas sûr qu'on ait travaillé dans le sens de dire, bah, si on se fait dominer, on switch complètement. Je pense que ça, c'est pas vraiment possible. Donc, soit ils prennent la décision tous ensemble avec le coaching staff de dire, on change tous les plans, on met tout à la poubelle et jouer au feeling, mais j'y crois pas. Soit juste, faut élever le niveau de jeu, les gars. Vous pouvez le faire. Florida Mayhem, c'est une équipe qui est prenable. Juste, sortez-vous les doigts de là où ils sont et juste jouez au jeu, quoi. Jouez au jeu parce que les DPS sont meilleurs que ce qu'ils procurent ici, et il y a moyen de faire mieux en front lane. Il y a moyen de contrecarrer les plans de Florida. Faut juste y aller, quoi. Wait. NC, est-ce que Florida Mayhem peut compléter le 3-0 ou est-ce qu'on peut partir sur un reverse sweep? On verra après la mi-temps, restez avec nous.
On est de retour pour la suite de cette rencontre entre les Paris Eternals et les Florida Mayhem. On l'a dit durant le bureau d'analyse, Paris Eternals doit trouver une solution. Adibou, ce match-up miroir, Orisa Sigma, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir trouver quelque chose. Il va falloir s'adapter. C'est vraiment le mot, ouais. S'adapter. Clairement. Moi, je resterais d'avis de partir sur la Diva pour absorber le Blizzard de Mei, ouais. Pour absorber... finalement l'éclosion mortelle et puis les dégâts au corps à corps qui sont très importants du côté du faucheur. Après oui, tu vas perdre en poke parce que voilà, on sait très bien que la concrétion plus les hypersphères sont quand même très énervées en termes de dégâts. Tu vas manquer du coup d'un alt quelque chose, parce que alt plus la diva c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Le peeling défensif c'est pas forcément ce qui va être utile à proprement parler, parce que t'as pas d'agression sur tes lignes arrière, mais dès que la halte sera là, eh bien la diva pourrait tout absorber à part cette fameuse concrétion. Donc je me dis ça serait plutôt pas mal de switch. C'est pas forcément dans les bouquins, c'est pas forcément un switch qui est facile, qui est évident à faire, et c'est presque prendre un risque évidemment, mais devant l'agressivité, devant le plan de jeu parfait, devant la communication aux petits oignons, je me dis que ça pourrait être un début de solution. Et aussi pourquoi pas mettre Soon et Nico sur d'autres pics, ou a fortiori Soon qui là sur son faucheur a un peu plus de mal à s'exprimer que Nico, même si Nico sur son Doomfist à cause de Yaki c'est dur à meurtre. Ouais, c'est difficile hein, pour Soon hein, qui se fait ban deux de ses pics. Et donc effectivement un faucheur c'est pas forcément un de ses pics de confort. Après est-ce qu'il a vraiment le choix, est-ce qu'il y a vraiment d'autres stratégies? On peut effectivement continuer à exploiter ses Hanzo, mais c'est assez situationnel. Là on va partir sur Noob Bunny par contre. Donc possibilité de dive, que ce soit offensive ou défensive. On va voir un petit peu ce qui sort en composition maintenant. Bon, ça va rester sur de la Orisa Sigma. Après, c'est ce qui a été travaillé à l'entraînement. Hein. Donc, même si Florida joue très très bien, est-ce que tu peux vraiment changer de composition? C'est plus changer de style de jeu finalement. Plus d'initiative avec des halts, des agressions. Soon qui joue plus autour de sa front lane par exemple. Il y a plein de petits détails que tu peux améliorer, mais est-ce qu'on va pouvoir tout faire en même temps? Bah ça on verra. Ou alors tout simplement tu joues vraiment mirror match et tu joues Mei faucheur comme ton adversaire. Ça aussi finalement c'est une des solutions, et c'est ce qui est proposé pour le moment du côté de Paris. On va voir si les Fleurs d'Amayem vont changer la compo. Évidemment la diva de Fate c'est une blague hein, c'est juste pour le goût. Gargoyle qui devra reprendre Sigma, et là tout est rentré dans l'ordre. Et si ça ne fonctionnait pas juste avec le mix Mei d'un côté, Doomfist de l'autre, là on est sur du mirror match, et Paris pourrait trouver la rédemption avec cette façon de jouer Hammer. Yep, let's go. Florida Mayhem, la hauteur, ils la veulent absolument. Mais maintenant, évidemment, Paris Eternals, ils vont pas se laisser faire. On va directement prendre l'initiative, le mur de Nico sera là pour protéger Mad. Vraiment, c'est insuffisant. Encore une fois, Fate avec une halte splendide. Mais est-ce qu'on peut contre-attaquer côté Paris? J'ai l'impression que ce sera le cas. Gargoyle va se faire récupérer sur une autre halte de la part de nos Spites. Ouais, mais on a déjà laissé un tiers du côté des Paris Eternals, c'est pas totalement terminé. Qui prend énormément de pression, qui vient de mettre le mur, tandis qu'un demi est en train de mettre un maximum de coups de pression. Et le boucle expérimental qui arrive à sauver ses Mighty Dégodes, qui est venu à la rescousse en attendant, qui grâce à son Lucio est venu rapidement terminer le teamfight avec ses mates. Et on pousse du côté de Paris, on a perdu 55%, mais ça aurait pu être bien pire à meurtre. Ouais, on commence à s'adapter côté Paris. Là, je sais pas si t'as vu, lorsque Florida a pris l'espace, Paris ont été agressifs. Paris ont contesté l'espace avec des ressources, comme la halte, comme un mur de Nico en défensif, certes, mais c'était un mur qui est intéressant pour tanker les dégâts. Derrière ça, on arrive à sortir Gargoyle très très tôt, et sans le Sigma, bah Paris, ils peuvent conserver la hauteur, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. C'est vrai que perdre Lucio, c'est embêtant pour la mobilité, le soin de zone, le contrôle qu'il apporte avec les boops. Et ça, c'est beau. Ça c'est beau, et on essaie de revenir rapidement du côté de Paris Eternals. Ah mais la coalescence, elle va faire beaucoup de mal à ces Paris Eternals. Evdegoth va attraper Gargoyle dans la backlane, certes, mais ce sera insuffisant. Nanjin a le timing parfait avec sa coalescence, et tu l'as dit, ce groupe de cris salvateur encore une fois, avec la halte de Fate. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, cet engage était propre. C'était impeccable, Chris qui arrive à wallride derrière, il est évidemment pas vu, pas entendu. On est focus sur la hauteur, la halte qui regroupe 5 joueurs des Paris Eternals, et sur les 5, eh bien, je crois bien qu'il y en a 2 qui n'arrivent pas à remonter. Et là, on se dit, Paris, peut-être, aurait pu tout simplement
descendre. Tant pis, on perd la hauteur, mais on aurait pu redescendre parce que le fait de voir ces deux joueurs prendre les escaliers, eh bien ça a forcé déjà l'utilisation de ressources. Et puis on a perdu aussi beaucoup de temps à meurtre. On a raté le combo avec le bizarre et la hâte. Il y aura un flux côté Anvin pour essayer de tanker les dégâts. Et Nico par contre. Oh non, Nico qui se fait cancel le bizarre, c'est catastrophique. Et BQB qui arrive dans le 2 avec quelques os mortels. Il fera pas tant de gars que ça. Il y avait une excellente captation de la part de Anvin. Mais bon, là côté Florida Mayhem, on prend l'espace. Quoique FD God a un mur du son, on peut revenir côté Paris. Ah, les deux ultis défensifs qui ont été lancés en même temps. Attention, Anvin qui va succomber dans les secondes qui suivent. Parce que Gargoyle a toujours ses hypersphères. Soon qui a déjà utilisé sa voix des ombres et qui n'a plus de quoi accélérer. Et on va réussir à avancer du côté des Florida Mayhem. Grey qui temporise les quelques secondes nécessaires pour que Paris puisse temporiser à 5v6. Mais c'est ballot, on l'a vu, Nico. Il avait à peine terminé la voice, la voice line pardon, de sa Mei qu'il est tombé et que l'ulti a été annulé. Ouais, la temporisation avec le mur de son était bonne quand même, mais bon, sur la durée, c'est Florida Mayhem qui ont l'avantage. Contrôle de la hauteur qui est important et on pourra même pas toucher Yaki avec ce mur. Ouais, on a oublié de faire le tour et du coup on perd du temps et ce temps perdu il va être fatal. Et derrière ça, on met une halte et FD God prend beaucoup de poke. La halte touchera pas finalement, ça reste une petite victoire, mais côté Florida Mayhem, c'est l'autoroute. Oh, attention à BQB qui est derrière, en plus il y a un Blizzard qui est bien lancé du côté de Yaki. Heureusement, on arrive effectivement à s'extraire et à contre-attaquer du côté de Paris. Derrière ça, on prend l'initiative. Grey avec la coalescence permet de prendre de l'espace facilement et Yaki va se faire laseriser jusqu'à la mort. Gangnamjin va contrer l'attaque des Paris Eternal avec sa coalescence. Et là, juste côté Eternal, il faut juste temporiser, garder la position, peut-être trouver un pic de plus. Là, on a peut-être un petit peu overextend. FD God va lancer un mur du son, mais ça sauvera pas Soon à Dibou. Ah, c'est dommage, on perd le faucheur, on perd la pression, on contact du côté des Paris Eternal. FD God qui va essayer de s'en sortir et qui réussit avec ses 40 PV, le très bon mur de Nico. Il faut très vite rebrousser chemin, se refocus et la belle halte qui va encore toucher une grande majorité des Paris Eternal. Chris va lancer un mur du son et on essaie de réengager du côté Florida Mayhem. Le bizarre de Nico permet de split l'équipe en deux. BQB a lancé une explosion mortelle et on n'arrive pas forcément à bien la gérer. On perd FD God dans l'opération, ce sera un 1 pour 1, mais ce 1 pour 1 il sera quand même fatal au Paris Eternal. Anvin va se faire annuler ce flux gravitationnel et malheureusement côté Paris Eternal, on lance des ressources mais on n'arrive pas à les exploiter à Dibou. C'est exactement ça, Anbin, c'est le troisième ou quatrième ulti qui se fait annuler depuis le début de cette rencontre. Hein. Là, vraiment, il y a Gargoyle qui est largement au-dessus, malheureusement, du génie Anbin. Et les Paris Eternal sont en train de prendre de l'eau. Le bon ultimate qui va être, bien évidemment, géré par la fortification, le boop et le mur de Yaki. On y va un peu à la rage du côté des Paris Eternal. Et du coup, eh bien, on est parfaitement contré. Tandis qu'en face, ça joue très bien. Heureusement qu'on a détruit le surchargeur Hammer. Et Nico avec un bon mur, la front qui se fait split, le jet sur Gargoyle, voilà, c'est une bonne opération de la part de Nico GDH. Le Blizzard est lancé du côté de Yaki, est-ce qu'on peut faire la différence avec Grey, il n'y a plus de drone. Et encore une fois, Yaki, son Blizzard, il est fantastique. Il n'y a plus aucun parisien pour contester, juste FD God avec un mur de son, quoique, avec l'avantage du spawn, on est en train de revenir à Dibou. Elle est en train de revenir, mais regarde ça, le focus, il est tellement parfait du côté des Florida Mayhem. On vient chasser la bonne cible, les unes après les autres. Là, on s'était occupé d'FD God et de son Baptiste. Et on a réussi finalement à tenir debout, tandis qu'on n'a plus beaucoup de points de vie du côté des Paris Eternal. On temporise tant bien que mal, le drone va expirer et Nico va se prendre un rocher en plein dans la poire. Soon de retour avec un faucheur va attraper son vis-à-vis, c'est une bonne opération. Chaque pic est important côté parisien, mais il en faut plus que le faucheur de BQB. Et malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. Il reste plus que nos smites avec sa Orisa. On revient avec un bulldozer. Ça temporise bien quand même côté parisien. Ouais, ça temporise et j'ai l'impression qu'on va pouvoir un peu lâcher la bride. Au moment où je dis ça, c'est Gangnamjin qui a une superbe connaissance de Kamehameha Perfis qui est en train de retentir et ça pourrait clore le team fight. Et Numbani, ça sera fait. Alors qu'on avait réussi à prendre des piles du côté des Paris Eternal, eh bien on a été plus solide, plus malin. Les Florida Mayhem qui semblent indestructibles à meurtre. La temporisation elle est bonne. Mais si tu veux remporter le fight juste après, il faut prendre plus de pics que ça. À chaque fois, on prenait juste un pic ou deux. Mais contre une double shield, c'est pas assez. Il faut au moins 3 à 4 pics dans genre les 20 secondes précédentes pour vraiment sécuriser le fight avec l'avantage du point de réapparition. Là, c'est jamais arrivé. On revenait au compte-goutte côté Paris Eternal. Et encore une fois, Fate, Gargoyle, monstre sur la front. Et cette fois-ci, on peut également encenser Yaki sur la Mei qui a eu des blizzards mais qui était excellent comparé à Nico qui lui de son côté n'arrivait pas forcément à jouer avec l'espace que sa front crée. Mais après tu me diras,
quel espace créé. C'est les tanks de Florida qui dominent pour l'instant. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'on sent que les Paris Eternals sont jouent petits parce qu'il n'y a pas d'espace en fait. On les sent muselés, on les sent étriqués malheureusement, ces Paris Eternals, devant tant d'agressivité du côté des Mayhem, devant une front line. C'est un mur infranchissable là, pour le moment, qui se dresse devant eux. Et encore une fois, moi vraiment, la communication et le focus des Florida Mayhem me laissent pantois. Hein. C'est quasiment parfait. Même quand on perd des pics, on garde son sang-froid et on n'hésite pas à venir tous ensemble éclater la cible choisie du côté de Florida Mayhem. C'est très très propre et les Paris Eternals vont partir sur Sombra et Symmetra. Non, ça va rechanger. Très bien, c'est juste la compo. Ah. On regarde et voilà. On retente la Pharah Mercy contre les Paris Eternals. Ouais, c'est très bien, c'est une bonne option contre ce que joue Florida Mayhem. On n'a pas de réelle option à part le combo Alt Accrétion pour sortir une Pharah des cieux. Donc, à voir comment Nico gère cette Pharah justement. Il va jouer le flanc et pendant ce temps-là, bah, c'est la flanc qui se fait agresser. Et encore une fois, Florida Mayhem qui prend l'initiative. Une halte par son smite. Il a pas le temps de se fortify et cette première a tombé. Ça, c'est pas mal, le kill qui va être pris et la résurrection qui va passer crème. Nico qui arrive derrière et qui va pilonner, qui va faire des dégâts monstrueux. Et on va venir clean les Florida Mayhem cette fois-ci. Hammer, pas de réponse possible. Ouais, Florida même qui ont overextend ici après le pick sur nos smites, ils sont restés en intérieur. C'est pas ce que tu veux faire contre une Pharah parce que du coup, tu l'as vu, l'angle pour Nico, c'était un rêve littéralement. 83% du barrage de roquette du coup pour le DPS flex français des Eternals. Et Florida Mayhem là, ils doivent s'en vouloir parce qu'avec le pick sur nos smites, ça aurait pu être une défense solide. Ah, clairement, très clairement. Là, honnêtement, il a mis 3 roquettes, il a pris 80% de son ultimate. Hein. Mais il y avait tout le monde qui était paqué, ça a touché les 5 joueurs. Autant vous dire que la Pharah, elle se régale. On va partir dans les cieux, mais évidemment, il y a du focus et c'est Gangnam-Jim qui s'est occupé de lui, entre autres, avec son ultimate, l'ultimate de la Moira Hammer. Ouais, au moins, ce barrage de roquettes, il était suivi par le reste des Paris Eternals. Dès que Nico est mort, il y avait une agression sur la front pour terminer les restants, en fait, de ce qui avait été attaqué par le barrage de Nico. Et c'est nickel chrome, on a une banque de temps plutôt confortable. Nico va repasser en May. FD God, là il va garder la hanche quelques instants pour avoir une Valkyrie. Mais bon, il n'y a pas de Blizzard, il y a qui en a un. Et côté Florida Mayhem, seul Blizzard va être la clé. Ouais, on sait très bien qu'il y a qui et Fate communique parfaitement pour lâcher des Blizzards toujours très impactants. Donc il va falloir la jouer fino du côté de Paris Eternals. Surtout qu'on n'a pas de mouvement de speed en plus. Il n'y a pas de loot show, donc ça va vraiment se jouer... nature, on essaie de trouver le meilleur angle pour un bin et finalement on trouvera qu'un seul héros. On va juste trouver Gargoyle finalement et derrière ça, bataille d'agression, c'est un peu un 1v1 Sigma, c'est littéralement domination homme à homme et c'est Albin qui va prendre le dessus. Et derrière ça, le blizzard de Yaki, bah il n'a pas d'impact. FD God, là le timing de Valkyrie était nickel à soigner tout le monde qui était gelé. Et côté Paris Eternal, ça pourrait être snowball également finalement. Alors là, on est sur un réveil du coq impressionnant, 5 minutes 20 en banque. On a des ultis à faire valoir. Le truc, c'est que les Florida Mayhem vont avoir 2 ultis def et 2 ultis offensifs, entre guillemets, gérés par les tanks. C'est... Soon qui essaie de trouver le meilleur des moments, la halt, et on ne va pas y aller. On a été patient du côté de Soon. On a surtout forcé une coalescence côté Paris Eternal et ça c'est une bonne opération. Derrière ça par contre on prend l'espace avec la halte. Encore une fois la halte de Fate elle est excellente. Nico lance un Blizzard, le munition de Chris sera là en contre certes, mais la frontline est complètement coincée à l'intérieur. Ils seront pas gelés jusqu'à la mort par contre grâce au heal de Gangnam sur la Moira. On met un flux sur la backlane, Alvin se fait récupérer, c'est retour au fond pour Paris. Ah, il faut reculer, soit on meurt tous rapidement, qu'on arrive à revenir au spawn. Mais c'est dommage hein, parce qu'on a perdu un joueur très tôt du côté de Paris et au moment de la halt et du blizzard, eh bien, Soon n'a pas eu le temps d'utiliser son éclosion mortelle. Ça ne joue à pas grand chose. Et là, on va faire un carnage, on va focus tout le monde. Quel dommage au contact, on n'a pas réussi à prendre un pic. Ça aurait été malin du côté de Soon. Derrière ça, Florida était tout sur la hauteur et c'est une info importante. On prend l'espace sur le payload côté Paris Eternal. Soon a une éclosion mortelle. A voir si on arrive à la setup. Pour l'instant, c'est pas forcément si fameux que ça. Voilà qui lance l'éclosion mortelle. Mais il y a une coalescence, il y a un blizzard. Il y a encore toutes les ressources du monde pour contrer le faucheur de Soon Adibou. Oh le timing. Le timing ouais. Des Florida Mayhem, il est parfait. On contre ça avec une main de maître et Soon qui attendait, qui s'est fait tuer, qui a attendu et qui finalement l'utilise. Je crois qu'il y avait la halte de Nosmite qui en plus était très intelligente.
qui va succomber. C'est vraiment unlucky pour le joueur français. Soon qui essaie de s'extraire d'une très mauvaise situation avec ses 50 PV. Et c'est finalement FD God qui va tomber. Mais Soon, vous le connaissez, la bad cap, c'est pour lui. Et c'est très malin. On aurait pu aller encore plus loin. Heureusement que BQB a pu TP. Mais surtout que, comme Soon est en train de back cap, tout Florida Mayhem a dû battre en retraite. Et c'était le timing parfait pour mettre un flux côté Admin qui a attrapé tous les joueurs de Florida. Et vu que FD God avait respawn, on avait un speed boost pour attraper les derniers survivants. Et cette back cap de Soon, elle va être salvatrice. On arrive à la fin, Adibou. On arrive à la fin, mais attention à BQB qui est derrière, qui a son ultimate, qui va TP directement la voie des ombres. La forme spectrale, et c'est parti pour l'éclosion mortelle. Belle captation cinétique de Sigma et de son Anbin. L'inverse est vrai. Ouais, l'inverse est vrai aussi, mais bon, le mur de son d'Ave Degot était parfait également. Genji a une connaissance. Est-ce qu'on peut au moins sortir Anbin? Ce serait une bonne opération, et pour l'instant, c'est pas le cas. Et derrière ça, Nico va mettre la cerise sur le gâteau avec un très très bon Blizzard. On ne pourra plus contester côté Mayhem. Et pour Paris Eternal, on a une banque de temps supérieure. Et là, Adibou, Paris s'adapte, Paris change de style de jeu, ils sont plus agressifs, prennent plus l'initiative avec des alt et des combos avec justement alt, accrétion, flux gravitationnel et blizzard, et directement on sent la différence. Ouais, ça va mieux du côté de Paris, en face du côté des Florida Mayhem. Par contre, on est tellement, on joue tellement le bloc que ça leur est parfois finalement compliqué et négatif. C'est ce qu'on a vu notamment sur la alt de Anbin, le flux gravitationnel. Il a récupéré tous les joueurs sauf BQB qui a pu utiliser sa voix des ombres in extremis. Mais en tout cas, on sent que même si on a plus de temps, même si il y a un réveil du côté de Paris Eternal, les Florida Mayhem, eux, jouent toujours ensemble, sont vraiment un pack uni, soudé, et que c'est le début de quelque chose. Mais c'est pas parce que là ça s'est bien passé que ça va forcément. Il faut se reposer sur ses lauriers. Il faut toujours rester aussi actif, aussi proactif du côté de Paris. Parce que le fait d'avoir certes perdu du temps, perdu le teamfight, etc., je pense que ça n'a pas impacté, mais vraiment un seul instant, ça n'a pas éraflé la confiance des Florida Mayhem. Ouais, c'est sûr. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment les Eternals vont adopter leur défense. Est-ce qu'on va changer quoi que ce soit au niveau du positionnement? C'est la question. Pour l'instant, on est resté sur la hauteur. Admin va prendre l'information avec son Sigma, et là, tout à l'heure, côté Florida Mayhem, on avait fait un gros aggro avec la coalescence sur la hauteur. Pareil, c'était fait surprendre. La question, c'est est-ce que ça va se reproduire? Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait du côté de Chris? Est-ce qu'on fait le tour pour pouvoir les boop comme tout à l'heure? Est-ce qu'on attend? Oui, on attend. Je pense que ça va être la même chose. On va voir la halt de Chris, plus le boop qui valait bien. Sauf que là, on est quasiment en contact du côté des Paris Eternals. Donc, impossibilité de se faire boop par le fameux Chris. Oh, ouais. Et on arrive à gérer Fate qui utilisera une halte pour le goût. Mais les Paris Eternal ont su justement apprendre de leurs erreurs et ne pas reculer comme tu le disais, mais plutôt avancer pour prendre l'espace et surtout garder cet espace. Et surtout utiliser un mur côté Nico GDH. Et ce mur était parfait. Il a complètement split en deux les Florida Mayhem. Et ça a permis à Nico de tranquillement geler sans se soucier d'un contrôle tel qu'une halte, une agression ou le gel de la maille adverse. Et là, c'était parfait. On a directement perdu la front du côté des Florida Mayhem. Il reste 40 secondes et Paris a pris un bel avantage en termes d'économie d'ultime. Avantage au niveau de l'ulti, avantage au niveau du temps. Il reste 30 secondes. Et c'est faisable, même si Gangnanji m'a réussi à avoir sa coalescence directement utilisée. On n'attend pas les deux murs qui sont lâchés. On va mettre la pression sur ce pauvre Nosmite. Mais c'est finalement FD God qui tombera en premier. Ouais, la perte de dessous pourrait être problématique. Ça va être dur de faire des rotations côté Paris Eternal. Dur de conserver l'espace. La halt, elle touche tout le monde côté Fate. Encore une fois, Fate qui est en train de se mettre une marque de MVP avec cette Orisa et avec ses haltes si propres. BQB sur un double kill. BQB bientôt sur un triple kill également. Alors qu'on va prendre l'assist sur Soon après la halt de Fate. Ça va passer en prolongation pour les Florida Mayhem. Mais côté Paris, on a de quoi revenir en termes de ressources. En termes d'ulti, c'est clair qu'on va être bien du côté de Paris, mais les Mayhem vont avoir tout simplement leurs 6 ultimates à disposition. Donc il va falloir prendre de court les Paris Eternals si on veut continuer à faire avancer le combat. On vous le rappelle, on est tout le temps maintenant en prolongation. On a l'obligation de rester sur le convoi du côté des Florida Mayhem. Si jamais le teamfight s'éternise, on perd des pics et qu'on oublie, ne serait-ce qu'oublier de jouer l'objectif, eh bien le convoi s'arrêtera, s'immobilisera et ça sera avantage pas. C'est un autre Dikiaki qui est en train de prendre une hauteur très intéressante.
Ah ouais, l'éclosion mortelle, elle est parfaite encore une fois. Malheureusement, Albin n'a pas eu d'impact avec ce flux grave vitesse. On est laissé Gangnam Jin qui va marquer son nom dans le cave fluide à 4 reprises avec cette coalescence qui a tellement causé de tort depuis le début du match. Namjin, le flex support des Runaways sur la Moira, il ne rigole pas. Ah, il rigole pas, mais on a utilisé 4 ressources, dont les deux ultis def, alors que FD God est tombé à 98% du sien. Donc normalement, Hammer, c'est un réel avantage pour les Paris Eternals. Attention toutefois à la halte Blizzard qui pourrait être tout simplement dévastatrice. Et c'est parti du côté C'est parti, regarde Nico. Nico, il l'a pressenti, Yaki. Il a mis un superbe gel et Grey a pu terminer Yaki avec cette coalescence. Soul lance l'éclosion mortelle, mais il va pas pouvoir prendre de dégâts. Mais bon, côté Paris Eternal, on solidifie la défense grâce à un excellent play de Nico qui gèle Yaki dans sa backlane et qui met ensuite un superbe blizzard sur le payload. Florida Mayhem s'arrêtera au second checkpoint. Ouais, on a quand même eu peur. Hein. En vrai, même si Yaki est tombé tôt, il a eu le temps d'utiliser son blizzard et le flux gravitationnel de Gargoyle était encore une fois très bien senti à la fin. Malheureusement pour lui et pour les Florida Mayhem, de l'ultimate Death des Gods, mais il aura fallu eh bien, tout simplement utiliser un maximum de ressources. Il aura fallu les deux ultis défensifs du côté de Paris afin de stopper la cavalcade des Florida Mayhem. On a un convoi qui n'était pas si loin que ça de prendre le deuxième point. Donc même si on a une minute de plus que ses adversaires à Murkick, hein, le travail est loin d'être facile. Ouais, 2 minutes 42 pour faire mieux que les Florida Mayhem. Et après, côté Paris Eternal, certes, on a parlé du fait que Paris aurait pu changer de composition, mais finalement, sur Faucheur May, ça se passe plutôt bien. Bon, Soon a toujours un peu de mal à setup ses éclosions mortelles, mais ça, c'est plus Florida Mayhem qui joue beaucoup autour, hein, faut être honnête. Nico, de son côté, par contre, il est dans le match avec cette May. Cette May de Nico GDH, ça pourrait être la clé. S'il continue à mettre d'excellents murs pour donner une ouverture à Paris Eternal, on pourrait effectivement partir en map 4-1. Clairement, il faut continuer sur cette lancée, il faut continuer à mettre Nico dans ses petits chaussons. Et Soon qui va peut-être trouver le bon mood avec son faucheur. C'est tout le mal qu'on lui souhaite évidemment, hein, ne serait-ce que même si défaite il y a au moins de prendre une map sur Numbani. Et les compositions qui vont switch, on va prendre le TP. Et voilà, on va revenir et reprendre les mêmes picks. Pas de surprise. Et Nico tout à l'heure, il a été monstrueux avec son positionnement. Monstrueux aussi parce que les Florida Mayhem avaient fait l'erreur de s'avancer, d'avoir été un peu trop greedy, d'avoir voulu manger plus, les yeux plus gros que le ventre comme on dirait. Il faudra refaire la même erreur du côté des Florida Mayhem. Bah dis oui, ils la referont pas, regarde le positionnement, on joue justement paquet au niveau de la hauteur. Mais bon, si on est paquet, bah du coup on s'expose à un faucheur. Soon va se trade avec Gangnam Jin. Et pendant ce temps là, et bah en intérieur, BQ lui fait les dégâts. Là Nico, il peut pas faire grand chose de plus. Gargoyle justement, il empêche Nico de s'approcher et d'avoir de bons angles avec cette Pharah. Ça paye plutôt bien, quoique attention, Chris est mort sur les coups Nico GDH. Admin a été ramené à la vie, là par Eternal, s'ils veulent, ils peuvent reprendre le fight maintenant. Ouais, totalement, on va continuer à bombarder du côté de Nico bien... bien emmené par la caducée, le caducée de May plutôt. Et on est obligé de reculer du côté de Fate. Les hauteurs sont maintenant 100% laissées. Ou plutôt, on a réussi à les conquérir du côté des Paris Eternals. Et la halte qui ne suffira pas. Conflagration au cas où. Et les Paris Eternals qui vont chasser Yaki. Ouais, propre. Nico qui trouve les pics. Même si le fight est perdu côté Florida Mayhem finalement. On overextend pas sur la hauteur. On overextend sur le low ground finalement en bas. Et du coup Chris se prend une roquette qui lui a été fatale et sans solution côté Florida Mayhem. On n'a pas réussi à bien se repositionner. BQB va revenir avec le faucheur et attraper nos smites. Il reste plus qu'une Pharah Mercy. Attends, Florida Mayhem là dessus ça peut retake. Ah malheureusement Soon il était à 8 PV et du coup on n'a pas pu réengager fortement les Florida Mayhem qui ne devraient pas revenir hein, à moins de... Dur, hein. Après c'est toujours quelques secondes de contester et le blizzard quand même qui est lancé. Il est excellent ce blizzard de la part de Nico GDH. Un quadruplé pour le flex DPS des Paris Eternal. Soon lancera une éclosion mortelle pour couronner le tout. On a 30 secondes à disposition en banque de temps. Deux ulti tanks à utiliser minutieusement pour ne pas laisser Florida Mayhem reprendre l'espace sur le payload. Là c'est maintenant ou jamais, c'est quitte ou double. Le dernier fight va être capital à 10 bouts. Ouais totalement, mais je pensais que là que les Florida Mayhem, j'étais étonné de voir qu'ils mettent autant de ressources.
et que c'est duré aussi peu de temps. Je me suis dit, non, ils vont pas venir contester. Et si, ils sont venus, mais ça a été tellement bien géré par l'ulti Nico et par l'ensemble des Paris Eternals que c'est une très bonne nouvelle pour les fans du coq. Attention, là, Orisa qui utilise son surchargeur, Made in the Smite, le flux gravitationnel qui est bien couplé avec l'alt, et ça devrait bien se passer du côté des Paris Eternals, même si on l'entend. C'est BQB et son éclosion mortelle qui fait un sacré taf, et c'est du 3 pour 2 en faveur de Florida Mayhem, Hammer Kick. Ouais, la coalescence de Game Jam qui a été fatale, mais Nico, il est toujours dans les cieux avec la Pharah, et ça pourrait être le joueur clutch BQB qui met cette forme pour essayer de se protéger tant bien que mal. Et pour l'instant, il n'y a aucune solution pour Nico dans les cieux avec la Pharah. Si ça y est, Gargoyle va réussir à le sniper. Les tanks remettent en urgence côté Paris Eternal. On prend enfin le frag sur BQB. Chris met un mur du son. Ce fact n'est pas terminé. Adibou, Florida Mayhem veulent conserver le payload. On veut le conserver, on utilise tout. Nico qui est tombé à 99% d'ultimate, qui va garder sa Pharah. Soon avec sa tresseur en pic de confort, qui va utiliser son rappel afin de récupérer ses 50 points de vie et qui réussit à faire un certain taf et surtout à essayer de museler Yaki, voilà, qui viendra le prendre en duel. On est à quelques mètres de la marque bleue. On a un barrage de roquettes. Et ce barrage, il va être capital. Oui, Nico, est-ce qu'on peut setup? Fait qu'il prend un énorme poke. Et son qui va mettre la pression dans la backlane. Nico qui cherche un angle parfait avec ce barrage de roquette. Il va lancer directement sur les tanks, mais c'est en partie absorbé par la captation cinétique de Gargoyle. 2 points pour l'instant. Et côté parisien, on est en train de s'effondrer. Yaki et Bipu font travailler en DPS. Et mon cher Adibou, les Florida Mayhem vont créer l'upset sur une méta sur laquelle ils sont confortables. Ils vont remporter le match 3-0 contre Paris. Ah, c'est dommage, les focus peut-être du côté de Paris n'étaient pas forcément toujours au top, mais on avait trouvé un semblant de solution, on avait trouvé voilà une clé pour ouvrir cette porte Florida Mayhem, et finalement, eh bien sur le dernier teamfight, on a été plus malin, mais même sur l'ensemble, en vrai, un murkick de la confrontation, c'est un score qui, malgré tout, semble logique, et c'est une défaite, ou plutôt une victoire des Florida Mayhem, qui est totalement méritée. Ouais, quand tu vois la maîtrise des Florida Mayhem sur la Orisa Sigma, et quand tu vois la forme de Fate sur sa Orisa et Gargoyle sur le Sigma, finalement, il n'y a pas tant de surprises que ça. C'est justement les Hero Pool qui rebattent les cartes. Et dans ce battage de cartes, et les pauvres Paris Eternals sont pas sur une méta où ils sont forcément confortables. Nico sur la Mei, il a été excellent, certes, sur la Pharah également, mais après, la Pharah, elle a des limites, on l'a vu, il a voulu setup avec ce barrage de roquettes, mais il n'a pas réussi à le faire proprement parce qu'il n'avait pas l'occasion de le faire. On jouait autour côté Florida Mayhem, Gargoyle attendait avec la captation cinétique. Côté Florida Mayhem, si je devais donner un MVP, cette front lane fait Gargoyle qui pour moi a donné le match à Florida Mayhem. Ouais, c'est vrai que les deux, hein, s'il fallait donner la médaille, je pense que Gargoyle et Fate mériteraient le titre de double MVP sur cette rencontre. Hein. Très clairement, ils ont offert à leur DPS un nombre incalculable de kills, de positionnement, de prise de position, de doubler, de tripler avec ulti, sans ulti, enfin bref, c'était vraiment hyper impressionnant. Et j'étais en train de me dire d'ailleurs, Hammer, que Paris, oui, a souffert du map pool et puis aussi souffre quelque part de l'absence de ses joueurs, hein, puisque le fait de part de Reinhardt attend plus d'un Ben Best, Iggy est retourné en Corée parce que problème de santé, Sparkle aura l'âge requis le 31 mai. Donc tout ça, finalement, ça joue en défaveur des Paris Eternals. Mais comme on dit, c'est le jeu et il faut s'adapter du côté d'Eternals. Ouais, Paris vont du coup encaisser une quatrième défaite, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, on passe en 5-4. Ça, on passe en 5-4, du coup. Ça paraît être OK comme score. Ça l'est, évidemment. Il y a des défaites qui font mal. Celle contre Houston, où ils n'ont pas réussi à s'adapter justement à ce pool. Là, finalement, en soi, ils sont adaptés. C'est juste que Florida était meilleur sur la composition et avait littéralement le Hero Pool pour eux, en fait, où justement, avec la Orisa Sigma, ils sont solides. Il faut aussi parler de Gang Namjin, le flex support, qui sur la Moira a eu des timings de coalescence aux petits oignons. En fait, souvent, si Soon n'arrive pas à faire les dégâts avec l'ulti ou même ses pompes, c'est parce qu'il y a Namjin qui est là. C'est vrai que les coalescences étaient toujours bien amenées. Et en parlant de départ, on ne l'a pas souligné, mais plus le temps avancera et je pense que moins on le soulignera. Mais c'est vrai que Hip aussi, qui était au sommet de sa forme, hein, le flex support français, le fait qu'il quitte aussi Paris a probablement dû impacter aussi la team, a dû impacter le collectif. Ouais. Et c'est vrai que Gray, moi, je suis très content qu'il soit présent. Mais en tout cas, pour le moment, je le trouve... Il a fait ce qu'il a pu, mais il a été très OK. Mais j'ai l'impression qu'en termes de timing et de coalescence, peut-être qu'il était un peu moins fort. Enfin, sur les duels directs, t'avais l'impression que les Florida Mayhem étaient un cran au-dessus finalement. Allez, là-dessus, du coup, on va partir en pause et on va du coup enchaîner sur la post-analyse et le second match Toronto contre Boston. À tout de suite!